Bonjour à tous, alors me voilà pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale puisque c'est pour vous présenter un magazine. Donc un magazine que je trouve sympa. Donc ça s'appelle Art et Craft. Ceux qui font ce magazine-là ont fait déjà des magazines sur le design. Donc c'est comme ça que je l'ai connu parce que j'étais abonnée à leur magazine sur Photoshop en fait. Donc voilà, ça c'est tout ce qui est manuel. Tout ce qui est art créatif, donc je voulais vous le présenter. Alors déjà, donc ça touche vraiment tous les loisirs créatifs. Donc là dans celui-ci, c'est numéro 2, il n'y a pas forcément de pâte fimo, hein. Mais vous avez du scrapbooking, vous avez des choses pour dessiner sur vos tablettes graphiques ou autre. Donc voilà. Je voulais vous montrer. Alors, c'est un magazine très complet. Donc, si je voulais vous le faire découvrir quand même. La seule chose, c'est que ça coûte assez cher. En effet, il coûte 6,90 €. Mais en fait, vous avez un CD dedans. Voilà. Vous avez un CD avec, par exemple, là, pour le scrapbooking, vous avez juste à imprimer certains motifs et vous en servir. Donc, voilà, des textures pour faire. Des choses sur Photoshop, des montages, etc. Donc je vous montre un peu ce magazine. Donc vous avez donc le sommaire. Et donc sur celui-ci, donc vous avez vraiment tout, hein. Donc là, ça vous marque tout ce qui est scrapbooking, pour le tricot, etc. Des idées cadeaux, des idées déco, bon, beaucoup de pubs aussi, hein, faut pas, voilà. Vous avez par exemple pour faire un masque ou même un cadre en fait. Voilà, comment décorer un masque. Donc voilà, je pense que ce magazine peut être pas mal. Donc voilà, vous avez même des recettes. Recettes pour faire un cake. Boîte à clés. Donc voilà, pour faire des petites boîtes ou autre. Ça peut donner des idées pour la fimo aussi. Le numéro 2, donc celui-ci, ne me plaît pas forcément. J'aurais préféré voir le numéro 1, mais il n'y avait plus. Donc voilà, par exemple, pour le scrapbooking, vous avez des pages comme ça que vous pouvez découper et vous en servir pour vos montages. Vous avez d'autres choses aussi comme ceci. Vous voyez, donc vous avez juste à découper. Et voilà. Donc voilà tout ce petit truc quoi. Donc là pareil, vous avez des petits tutos pour faire ce genre de cartes. Donc vous avez en fait sur ce magazine-là, vous avez le début du tutoriel, mais il me semble que la fin du tutoriel est succédée. Vous ne l'avez pas entièrement pour éviter que les gens aillent dans les magasins et ne fassent des photos du magazine sans l'acheter. Donc voilà, celui-ci est plus consacré au scrapbooking. Mais ça peut donner des idées, hein. Personnellement, franchement, je trouve ça vraiment joli. Donc vous voyez, pour apprendre à faire ce genre de cartes, je trouve sublime. Donc en plus, c'est pas du tout compliqué. Peut-être que je me mettrai aussi au scrapbooking, parce que je trouve ça juste joli. Donc là, voilà, vous avez tout le tutoriel. Comment il faut faire la carte. Donc c'est pas forcément très compliqué, mais voilà, vous voyez là c'est quelque chose qu'on peut faire donc sur Photoshop. Alors bon, ça je vois pas pourquoi ils ont mis ça là, mais bon, tant pis. Là pour faire quelque chose en jean, alors c'est quoi, une boîte à secret. Donc ça peut être pas mal pour les gens qui ont des enfants ou des activités pour les enfants, ça peut être pas mal. Donc voilà, ah non, vous avez donc tout le tutoriel pour en faire une. Franchement, ça peut être sympa pour les mamans et leurs filles ou même garçons. Hein. Donc voilà. Donc voilà ce que je vous disais. Ils font tous ces magazines-là. Donc vous avez Photoshop, photographie, ils touchent vraiment le 3D normalement, là, le 3D, tout ce qui est dessin aussi, voilà. Donc voilà, vous avez vraiment une gamme très complète. Cet éditeur de magazine est vraiment top. Franchement, je le trouve vraiment top.
Voilà. Alors là, par exemple, ce qui peut aider les gens en scrapbooking, faire des tampons personnalisés. Alors, ne me demandez pas comment ils les font. Je n'ai pas regardé tout le magazine, mais voilà, ça peut être sympa. Voilà. Donc, c'était pour vous présenter un peu ce magazine. Alors, donc, il coûte très cher, certes, mais il est vraiment très complet. Là, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous abonner. N'achetez pas les livres un par un, mais abonnez-vous. Parce que si vous êtes intéressé, hein, bien entendu, je n'essaie pas de vendre un produit, mais je vous le dis, il vaut mieux vous abonner que de les acheter un par un, parce que ça vous coûtera beaucoup plus cher. L'abonnement est réduit pour les étudiants, parce que moi j'ai fait ça quand j'étais étudiante, et du coup, il s'est arrêté l'année dernière, et du coup, ça m'a coûté, il me semble, moitié prix, il me semble. Donc voilà, et vous avez régulièrement des offres pour vous abonner, ce qui vous coûterait beaucoup, beaucoup moins cher. Voilà. Alors la marque, c'est Oracom, la marque de l'éditeur normalement. Donc vous marquez Oracom sur Google et vous devriez trouver. Voilà. Donc voilà pour le petit magazine qui pourrait vous intéresser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt.